Il y avait un mec qui mangeait un sandwich, j'ai dit quelle frimeur. Et le mec qui mangeait ce sandwich, c'était le blond. T'as vu le blond quand il mange un sandwich? Putain, la mayonnaise, elle sort pas. Lui, les tomates, elles restent parallèles, il n'y a aucun problème. Hein. Si... Toi, tu mords dedans la feuille de salade, elle vient et tout, comme ça. T'as de la mayonnaise partout, toi, t'as toujours une tomate, elle veut sortir la tête du sandwich pour voir ce qui se passe, genre... Hop, qui vais-je, ça va? Il m'énerve! Il était là avec ses mains de plomb, la main de plomb avec des avant-bras, avec des poils brochingués. Et il mâchait, il avait des muscles de plomb ici qui faisaient bac, 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 bac. Il a pas, lui, la feuille de salade coincée entre les dents. Non, il a un système autorotatif ou je sais pas quoi ce qu'il a dans la bouche. C'est un fou. Après, il s'est mis à manger des chocolats, le mec. Tu crois qu'il a, lui, les chocolats ici dans la bouche comme toi, sur les dents, genre, je vois bien, non. Moi déjà, quand on me propose des chocolats, je tombe toujours sur le dégueulasse avec la liqueur à l'intérieur. Là, sur... il est dégueulasse ce chocolat à l'alcool. Là, sur... oui, les gens, ils savent pas hein, au début hein, que c'est un chocolat à l'alcool. Ils sont contents que tu leur proposes du chocolat. T'as vu, tu leur proposes, ils font oui, ouais, bien sûr. Alors, oula, lila, lila, lila. Ouh là là, c'est bon, 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 tout ça. Là, 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 boum, là. Deuxième étape, ils se rapprochent un peu. Alors. Et quand ils se rendent compte que c'est à l'alcool, il y a un réflexe psychomorphologique qui est le même pour tous. Hein. Clac, la main, il se baisse, il court, genre... Oh, ah, merde. Pourquoi il court? Non, c'est très bizarre. À ce moment-là, j'ai dit à ma copine, on s'en va, c'est fini. Elle m'a dit, on prend l'avion. J'ai dit, non, tu sais bien que j'ai peur. Elle voulait prendre l'avion, laisse tomber, on arrive à l'aéroport. En plus, on tombe sur le blond à l'aéroport, j'en pouvais plus. Il était avec ses enfants, en train de leur parler en blond. Je te jure, les gars, ça existe. Tu sais, genre, eh, dis donc, pichounou, louloute, hop, hop, hop. Eh, dis donc, il est où ton sac? Il est où ton sac, Bob l'éponge? J'entends pas. Il est où ton sac? Papa te demande, il est où ton sac? Tu sais pas, tu le cherches, tu le trouves, tu me suis, allez, papa, on n'a pas le temps, hop, 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 hop. Pendant que toi, t'es de l'autre côté avec ton fils. C'est autre chose. Le sac! Le sac, il t'a déballé! T'as donné un sac ou il t'a pas donné de sac? Il va me rendre fou ce gosse, l'avion il va partir. C'est quoi, l'avion il va partir? Tu vas rester ici toute la nuit, peut-être des loups ils vont venir, ils vont te manger, voilà. Bon, finalement, on a trouvé le sac du petit, on a été dans l'avion, elle m'a à peine pris le carton d'embarquement, je dis, je sais, je connais la route. On est rentré, il y avait le blond, il était là, en classe, blond. Il n'y a que des blonds là-bas, je te jure, avec des... tu sais, ils mettent les lunettes de... les lunettes en mousse pour dormir, parce qu'ils sont pas stressés, tout ça, de l'avion et tout, ouais, peut-être on va mourir et tout, non, 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 c'est... Non, je vois pas où est le problème, attends, sécurité, l'avion plane à cause de la pression des ailes, aussi. Je veux dire, je vois pas de quoi tu parles, je veux dire, y a rien d'irrationnel, à un moment donné, la technologie, il faut faire confiance, quoi, je veux dire, totalement surréaliste d'avoir la trouille, les pétoches d'un avion qui, ça fait plus de 50 ans qui plane dans les airs, mon gars, t'es totalement... Il dort le mec avec des lunettes comme ça, tu sais, en mousse, que tes enfants, eux, ils ont déjà fait un arc avec ces lunettes. Ses enfants, à lui, au blond, non, ils sont calmes, ils font du coloriage. Et ils dépassent pas! Toi, ton fils, il colorie tout autour du dessin, il te dit, t'as vu, papa, je suis pas rentré. Et après, ton fils te dit, papa, on a décollé, ça y est, on va décoller, c'est bon, on a décollé. Non, on n'a pas décollé. Le décollage, c'est quand papa, il pleure.